bien, c'est tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on reprend direct où nous en étions sur Horizon Forbidden West, évidemment, avec l'épisode 25, si vous suivez toujours jusqu'ici, si je me trompe toujours pas, et j'avais juste à sauter, ouvrir et planer, évidemment, jusqu'au village pour rendre la quête. Nous avons réussi à récupérer son métal très spécial que l'on trouve uniquement sur les hauteurs, d'ailleurs par ces affreux vilains qui n'étaient pas évidents à tuer. J'en ai tué un juste par ego, mais il était à deux doigts de me casser la gueule. Voilà, hein. N'ayons pas peur d'employer les termes, ce qui doit être dit est dit, et on peut lui rendre en espérant une belle surprise. Pas un instant trop tôt. Tu as trouvé Vos? J'ai rapporté sa bourse de graines. Je prie pour que ce soit la toute dernière. Mais je dois préparer les armes maintenant. Espérons que ça suffira. Il le faudra bien. Sinon, ça te bouche le cul de dire merci, je sais pas, non? Ok, un petit combat final. 2v4. Étrangère. Ça, je prends mon ref, hein, la PP. On est pas ici pour se faire des potes. Oh, bien joué. Mort. Il nous racontait sa vie. Mort. Ok. Bon, écoutez, on va le faire à l'ancienne. Suivez-moi. Qui m'aime me suivre. Hop. Mort dans le film. Merci mon ref. Ok. Mort dans le film. Ok. Wouh. Pas cool les gars. Ok. Mort. Ok. Très bien. Désolé. Quoi, frère? Ok. Ok, toi tu fais le coup. Oh non. Dégagez. Oh là. Oh le merdier. Mort. Merdier. Ah.
Ça te trouve le cul, ça, hein. Putain. Ok, lui, je peux m'en occuper vite et facilement. Pardon, t'es un pote. Mais j'ai pas de pote ici, sachez-le. Fouh, c'était chaud. C'est pas fini, hein. Si, c'est fini. C'est quoi cet épisode? On a eu tellement chaud. Vous savez qu'on avait plus de soins, les potes, pendant longtemps, hein. La vache. Ok. Alors, il se passe quoi? Attends. On va voir si ça te plaît. What? Ah ouais, mais même moi je vois même pas où je tape, mon ref. Mais wesh. Je vois pas où je tape, en fait, c'est terrible. Dégage, t'es mort, mais nique ta mère. Non, mais au bout d'un moment, faut le dire. Trop, frère. On dirait que ces gamins savent viser, finalement. En tout cas, on te doit cette victoire, chasseuse. Ce sont ta stratégie et ton équipement qui l'ont permise, Q. Je n'ai pas apporté grand-chose. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu prennes ceci. Ça a été utile à mon peuple, et ça te sera utile. J'en prendrai bien soin. Sois prudente. Oh ! Ne jamais dire non. Ne jamais dire non. Waouh. Alors, attendez, bougez pas. Qu'est-ce que c'est que cette petite dinguerie? Tiens. Alors, 21-43, 45-56, insane. On est d'accord que c'est bien cela qui m'a donné? Oui. Hop. 21-43, 45-56, donc beaucoup mieux. Et améliorable. Et en plus, il n'a pas été encore amélioré, donc ça, c'est beau. Mais écoutez, je le prends, on va l'utiliser, j'en ai rien à péter. On verra ce que ça donne. 6 flèches sur 6, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis point d'accord. Les arcs de précision sont des armes à longue portée, puissantes et très précises. Ils offrent une précision réduite lorsqu'ils sont utilisés quand vous êtes en mouvement. D'accord, n'oubliez pas, tirer des flèches élémentaires peut faire... exploser des bonbonnes du même élément. Mais finalement, c'était pas si ouf que ça. Donc, on va quand même récupérer mon petit arc des familles. Voilà. Comme ça, on a normalement une roue complète. Et on a tout ce qu'il faut. Ok. Très bien. Bah écoutez, on va tout fouiller quand même. Parce que mine de rien, on vous cache pas qu'on a pris notre petite part. Et puis, on va pouvoir continuer... notre folle aventure. Et j'ai bien envie d'aller... Non, on va aller là. On va aller là parce que là, c'est direction, évidemment, la quête principale. Trouver les coordonnées, rejoindre les coordonnées des terres, évidemment. J'espère que vous êtes prêts. Je dirais même plus. J'espère que vous êtes des terres. Allez, on y va. On y va. J'adore l'humour. N'oubliez pas que l'humour, c'est ce qui nous fait vivre. Oh, les sangliers, j'en peux plus, hein. Les sangliers, j'en peux plus. C'est embêtant. On va devoir se refaire full popo. Hop, on prend cela. Voilà. On va faire une petite séance à pied pour rejoindre au moins de quoi se TP. Parce que là, c'est terrible, hein, les gars, hein. Terrible. Excellent. C'est pas les mêmes munitions à noter.
on va se refaire full soin parce que là, c'était assez terrible tout ce qu'on a vécu là. Ok, parfait. Hop, on va prendre ça. Vraiment là, les plantes de soins, c'est un régal. Hein. Je prends avec plaisir, on rechaîne pas. Hein. Voilà. Bon, déjà on est full soin. Maintenant, on va en prendre un peu dans la réserve de quoi s'en recrafter des bêtes. Et on est bon, allez. Attends, quoi? Quel est cet animal? Parfait. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait, me semble-t-il. Il y a moyen qu'on puisse... Hop, regardez. Regardez. C'est bien ce que je pensais. Un os de renard. Carquois de flèche de précision augmente la quantité de munitions. C'est insane. Allez, on fait. Hop, de toute façon, il va falloir tout améliorer dans la vie. Hop. Voilà. Allez. 8 au lieu de 6, c'est incroyable. Écoutez, il est temps pour nous de se déplacer entièrement gratuitement parce qu'on est des putains de crevards. Et on va aller... Où est là? Ah, voilà. On va aller ici. Let's go! Direction les coordonnées des terres, évidemment. Et on va essayer de débloquer un maximum de feux de camp. Ça serait pas mal. Bon! Toi, bonsoir. Parle mieux, cousine, parce que j'ai rien à péter de ta rumeur. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Là, il y a un feu. Là, il y a une course éclair. Là, il y a un grand coup. Et ben, écoutez, on va faire le grand coup. Hein. On va faire le grand coup. Il est loin. Alors, peut-être que de nuit, c'était pas le meilleur move. Nouvelle course éclair. Tu m'en diras tant. Ah, vache. Ok, c'est vraiment loin, le grand coup. Il y a vraiment pas d'autres grands coups, là. Oh, il y en a un tout à gauche. Bah non, mais c'est le plus proche, c'est terrible. La terre est atteinte de la Niel ici aussi. Mais on pourra l'en débarrasser. Quand Gaïa sera assez forte pour capturer Hephaïstos. Course ? Ça doit pas être des rebelles. Attends, il y a des gens qui font des courses là ? Si je suis leur trace, je trouverai peut-être où ils allaient. Je peux probablement me servir de mon focus pour suivre la piste de ces coureurs. Rien à péter. Rien à péter de leur course. C'est bon. Attends. C'est un enfer. Ok, votre tour, c'est fait. Village de Ténac. Je vais devoir être prudente. Non mais attends, il est si loin que ça le grand coup là, les gars. Il est réellement si loin que ça le grand coup. C'est embêtant. C'est très embêtant. On va aller là, on va faire les trucs petit à petit parce que, waouh, ça m'a l'air très complexe tout ce qui se passe. Ok. Ça on prend. Là il y a une sorte de... Je ne sais pas, de décharge on dirait. Ok, on save en mode à l'époque, à l'ancienne, à la dure, c'est comme ça. Ok, pas mal. Et on continue. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Nouvelle quête. Hein. C'est un village méchant, ça. Hein. Non, c'est pas mon problème, ça, les refs. Hein. Bande de fous. Site... Avant-poste. On va aller là, hein, tranquillement. Hein. Tranquillement. Hein. Moi, je demande rien à personne à part kiffer. Hein. Ça, on prend. Je sais pas c'est quoi. Point de branche. Eh, on en prend parce que c'est la première fois qu'on en voit, ok? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, des piments, c'est la première fois. Ok, on va aller là-haut. C'est très embêtant ce qui se passe parce que j'ai l'impression de... D'un coup, de découvrir un nouveau jeu, mon ref, tu vois. Ok. Oh, je descends.
Très bien. Pas du tout ce qui se passe. Mais je sais que c'est pas loin. Je sais que c'est pas loin. Beaucoup de Niel, hein. Niel Wills. Non, j'allais sortir une blague. Elle était pas ouf. Peu de gens auraient eu la rêve. Niel Nilsson, j'allais dire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est Liam Nilsson, évidemment. L'acteur de... Comment il s'appelle? Bah déjà, l'acteur de Star Wars, Qui-Gon Jinn, évidemment. Mais avant tout, l'acteur de Taken. La trilogie. C'est beau, mais c'est vite, bordel. Pression d'être dans Death Stranding, frérot. Ça, faut le savoir. Je suis sûr que ça intéresserait un teinturier. Et... Wouh ! Putain. Hein. Et les gars, j'ai l'impression que c'est l'autre bout du monde. Alors regardez toute la map qui reste, c'est incroyable. On est mort. Comment je vais aller là-dessus? Je pense pas être capable d'escalader ce grand coup. Pardon? Pardon? J'ai fait tout ça pour rien? Attendez. Je suis niveau 17, pourquoi je pourrais pas? Ça n'a pas de sens. Et c'est pas gentil. Bon bah les gars, on va pas insister si elle a dit que je peux pas. C'est que je suis faible. C'est que je suis qu'une merde en fait. Allez viens, il se casse. Hop, il a disparu. Hein. Il a disparu le bordel. Eh ben écoutez, on va aller là. Hein. Tranquillement. Hein. Parfait. Une petite save ici improvisée, mon pote. Les décharges électriques. Bordel, j'ai peur. Il se passe trop de choses partout. Vache. Wow, Sugoi. Ah, ça vaut pas le coup de se foutre en l'air. Pour si peu, je vous le dis. J'ai vu les bordels là-haut. Oh là là, comme c'est beau. Mater le soleil qui se réveille progressivement. Sur la vallée, c'est sublime ce qu'on vient de vivre. Bordel de merde. C'est magnifique. Je garde ça. Regardez. Oh là là. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Quoi? Si, j'ai pu. Oh, incroyable. Ça sert à rien, mais enfin, c'est incroyable. Ok, ça en prend. Ça, je peux m'en faire, ça régale. Très beau feu de camp. Très beau feu de camp, fort apprécié. Bon, je ne comprends pas pourquoi je peux pas encore faire le grand coup. Aloy m'a littéralement chié à la gueule. Elle n'a pas cru en moi, ça fait mal. Un chouk voilà. Ok. Ah
Bah s'ils le disent. Jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce donc? Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, un trou de texture. Ah, là, il n'y a plus le trou de texture. C'est un trou de texture, d'accord. Le texturing qui a un petit bug. Ça arrive. Proche de l'emplacement des terres. Gaïa a dit que ce serait un genre de processeur physique. Ok. Je vais garder le surplus pour plus tard. Mort? Mort dans le film? Que des sangliers, frérot, j'ai rien à péter de tes sangliers. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Là, on va attaquer la jungle, là, c'est ça? C'est beau! Très bon. Une petite pierre. Les ruines anciennes. Transformées en bastion Ténac. Et Terre serait à l'intérieur? Ça va pas être simple de fouiller avec tous ces guerriers Ténac. Ok, on active des petits points de save un peu partout, mon ref. Très bien. Il y en a un autre ici. 100 mètres. Mais en fait, sur la carte, c'est ridicule. Oh, un avion de chasse, mon ref. Trop bien. J'adore. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon focus détecte une sorte de balise de position. Ok. Bah écoutez, là je vous avoue être un petit peu sur le cul, c'est clairement un épisode d'exploration, d'explorations. Alors comment monter là-haut? J'ai trouvé, on va la prendre, on va aller la chercher tranquillement, je ne sais pas ce qu'elle va offrir. Je pourrais peut-être me servir de ça pour entrer. Alors, somme toute logique. Il y a quelque chose qui a l'air fou ici, putain de bordel. Il y a quelque chose qui a l'air dingue. Ah. Très bien, j'ai. Très bien. On va récupérer cette boîte noire. Ce n'était pas prévu dans le plan. Ok. Let's go. Faut vraiment que j'améliore mon arc. Tiens. Contrôle aérien. Ajustez votre cap pour éviter la colonie. Vous confirmez, ok. Le capitaine indique que leur cabine est dépressurisée. Si l'équipage est mort, ils sont en pilote automatique. Vol 41 est donc un vol fantôme. Ici Roméo, quel est votre statut actuel? Ici Roméo, quel est votre statut actuel? Vol 41, ajustez votre cap pour éviter la colonie. Vous confirmez? Terminé. Vol 41, merci de confirmer. Ok. Les capteurs indiquent que leur cabine est dépressurisée. Si l'équipage est mort, ils sont en pilote automatique. Vol 41 est un vol fantôme. Quoi qu'il soit arrivé aux gens de cet avion, ils n'ont pas pu répondre. Alors Aloy, malheureusement, quand il y a un accident d'avion... Alors que les machines des pharaons supprimaient toute vie sur la planète. Ces gens ont été victimes de l'ego d'un seul homme. De nombreux soldats sont morts depuis. Les forces de Regala sont peut-être impressionnantes. Il y a une autre balise de position. Ces machines ont éliminé toute mon escouade. N'oublie pas les visions. Les anciens n'ont pas choisi leur combat, mais ils ont pourtant tenu bon. Ils n'ont pas faibli. Et nous non plus. Par le sang des Dix, tu es venu à nous. Tu sais qui je suis ?
la guerrière aux cheveux embrasés qui a vaincu le champion de Regala à Cagnard. Oui, nous te connaissons bien. Je suis Deka, chapelaine du clan de la Plaine. Tu es venue parler au chef Ekaro ? Pas exactement. J'ai besoin de quelque chose ici. Le chef te fournira tout ce dont tu as besoin. Viens. C'est l'une des visions dont tu as parlé ? Oui. Les archives des 10. Je peux te les montrer, si tu veux. En allant voir le chef. Ces visions, tu dis qu'elles sont les archives des 10. Qui sont-ils ? Des anciens qui ont combattu les machines lors d'une bataille sur cette même terre il y a longtemps. Leurs exploits sont comptés dans les visions. Ou du moins ce qu'il en reste. Pour être célébrés et nous inspirer. Tu veux dire qu'il y avait d'autres visions ? Oui, beaucoup. On pouvait en voir partout autrefois ici. Mais au fil des ans, elles ont fini par se taire. Une par une. C'est pour cette raison que les chapelains jouent un rôle vital. Nous essayons de nous souvenir des visions. Gravées en nous. Et transmises par la parole de génération en génération. Un jour, tout le bosquet sera éteint. Mais son héritage restera gravé dans les souvenirs des chapelains. D'accord. Allons voir le chef Ekaro. Il est dans la salle du trône, au fin fond du bosquet. Entre. Sois la bienvenue dans les archives des 10. Ok, le bosquet de la mémoire. Petite propagande américaine. C'est corrompu. Incomplet. Qu'est-ce qu'on a là ? Merde. ...étaient des soldats déterminés qui coopéraient en escouade et se partageaient le travail. Quand le moment de la bataille est venu, ils se sont envolés pour atteindre la gloire. Tous les Ténacs suivent leur exemple. Avant le chef, c'était l'un des rares points communs entre les clans. Ok. Je vous laisse lire. Pendant la guerre, les 10 ont escaladé la roche. Bravé la neige et le vent mordant. Ils n'ont reculé devant rien pour protéger les leurs. Tu les considères comme invincibles ? Non. Mais les visions nous démontrent leur courage et leur force. C'est un exemple pour nos soldats. Le clan du ciel admire particulièrement celle-ci. Il s'installe dans les montagnes situées au nord-ouest. Et que raconte celle-ci ? Les 10 ont combattu leur ennemi dans la chaleur du désert, une terre trop hostile pour survivre. Mais contre toute attente, ils ont vaincu. Alors le clan du désert fait de même. Tu as dû traverser leur territoire en venant jusqu'ici. Oui. Ils ont l'air un peu... extrêmes. Ils prendraient ça pour un compliment. Heureusement qu'elle me traduit tout, je vous laisse lire. Hop, la suite. Et la fin. Je t'ai vu, petite planque. Je t'ai vu. Hop, merci. Très bien. On continue.
On essaye de rien louper, hein. Vous l'aurez compris, j'ai deux points de compétence à m'attribuer. Soit de quoi encore avancer. Truc incroyable. Bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. Hop, bougez pas. Ça me semble être un impératif. Parfait. Et il faudra faire ceci. Et on pourra débloquer ceci, tout simplement. Très bien, très content, j'ai hâte. Allez, dis-moi ce que c'est ça. Hop, je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Et on descend, mettez pause. Et voilà. Des soldats dans une jungle. C'était eux, les 10 ? Oui. Ils savaient tirer parti des profondeurs de la jungle pour distraire l'ennemi. En gros, c'était un commando, quoi. C'était une armée. Pour l'assaut. Il y a des générations, mon clan, celui de la plaine, s'est inspiré de cette vision en s'installant dans la jungle, au sud-ouest. Tu as un enregistrement de l'Ancien Monde ? Cette boîte qui est là parlait avec les voix des anciens. Mais il y a du bruit autour d'eux. Laisse-moi jeter un œil. Où t'as trouvé ça ? On l'a prise à une ratisseuse au Séram. Elle tentait de la voler, ainsi que d'autres artefacts en territoire Ténac. Les autres voulaient l'enterrer avec son corps. Mais c'est là que j'ai entendu les voix. Les données ont l'air corrompues, mais... Delta Juliet 9, autorisation d'attaquer la colonie, feu à volonté. Bonne chasse. Bien reçu, on va gagner du temps pour Hope Zero. Delta Juliet 9, terminé. Les voix des guerriers du passé. Cet Océram voulait les vendre contre des éclats. La bravoure des 10 devrait être honorée. Je comprends pas pourquoi tu parles des 10. Ces voix viennent de la bataille finale qu'ont menée les anciens. Une autre bataille ? J'en apprendrais plus si j'avais accès à d'autres boîtes. Cette ratisseuse a dit qu'il y avait d'autres enregistrements à trouver dans les épaves d'anciennes machines volantes. Elle avait un moyen de les situer. Ouais. La boîte contenant les enregistrements émet un signal de position. Grâce à elle, je pourrai trouver les autres. Si tu fais ça, rapporte-la ici. Je vais veiller à ce qu'elle soit traitée avec le plus grand respect. Quels que soient les sacrifices consentis par ces anciens soldats. Regardez la qualité des peintures sur les visages, c'est ouf. Par contre, si tous les matins tu t'habilles comme ça, mon ref... Si je tombe sur d'autres enregistrements, je te les apporterai. Et tu te maquilles comme ça, attention, hein. Allez ! Eh bien, écoutez, il est temps pour nous de nous arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Lisez ceci, évidemment. Et lisez ceci, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye. Je vais rentrer là. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié comme ça. C'était extraordinaire. Bisous tout le monde. Ciao.